Yeah. Aujourd'hui, je m'en rends mes soucis dans la zone. Tout ça devient beau de voir un cri sur une bande. Y'a des histoires pour de la somme. J'ai le seum, comme par ces petits jeunes. Le soir, apprendre sur le grand bord devant une blonde. Et ensuite, les cribles aujourd'hui, comme les ronds sur le skyrock. Je vais trop, donc je passe un son comme un grand comme porte au front. Et je vois pas du tout. Je suis administrateur délégué donc c'est 42. Donc avec la maison de jeunes, ça va être plus ou moins un an maintenant. Tous les projets qu'on essaie de développer sont surtout liés à la musique. Donc aujourd'hui ils ont présenté l'activité Music Cool. Donc Music Cool c'est quoi? C'est en fait c'est une école de musique. Donc il y a un prof qui joue de la batterie, qui joue de la guitare. Là on cherche des jeunes profs qui peuvent donner des cours. Notre gros projet c'est les concerts. On essaie de mettre en avant les artistes de la région. Donc tous les premiers vendredis du mois, on fait un concert découverte. Donc c'est généralement des jeunes artistes qui ont fait très peu de scènes et donc on leur donne l'occasion. Couillère, comment ça se passe? Couillère, hein? Je chauffe, hein? Ça fait. On va te donner ça. C'est une attitude. Et c'est des enfants. Aïe. Des parches dans le soir, feu éteint, guidé par éclair. Premier coup de tonnerre qui pète la vitre arrière. C'est quand ça sonne, même si voyou charbonne. C'est pas les clés, mais la solution, la bonne. Ça pousse le sol pour avoir tes pectunes. Ici c'est Luc, Armani, le prêt de lune. Pour faire la maille, tous mes gars s'isolent. Et si tu t'es. Voilà, donc au mois d'octobre, nous allons organiser le Grand Quillage numéro 2. Donc c'est une battle de breakdance. Il y aura du niveau très lourd, international, avec Lil Kev, qu'on peut apprécier dans le clip La Boulette de Diams, par exemple, et qui fait partie du groupe des Pastés, qui ont un niveau mondial. Donc il y aura aussi comme juge Rookie Rock et les gens de la break en Belgique. Dynamique, voilà. Et Detail, un Hollandais qui sera là. Donc on espère avoir des Parisiens. L'année passée, on a eu un Russe qui est venu se battre chez nous, c'était assez impressionnant. Il y avait vraiment du très bon niveau. Si on a fait la même chose sur Facebook et tout, si je ne dis pas là, c'est pas de notre côté.